par-dessus les jambes. Bascule le corps vers l'avant, le corps vers droit. Ok. Échauffement de la cheville. Attention un petit peu de la chambre. Changer. Massage. Thank you.
Allez-y, souplement. Soignez bien la posture, le corps bien droit, soyez relâché, travaillez d'une manière fluide. Et maintenez la vigilance jusqu'au bout. Okay, ne relâchez pas dans la contraction.
Shomanushi. Tranquillement. J'absorbe. Je me décale. Ça, c'est la forme remontée. Je commence son attaque. Hein, je ne me mets pas en dessous. Hein. Faut que je me déplace d'abord. Faut sortir de l'axe. Ok, allez-y. Ikkyo remonté et Ikkyo Ura. Travaillez tranquillement. Soignez la posture, le relâchement, la fluidité et l'exécution, le centrage. Hein, donnez conscience de tous ces aspects-là, la vigilance. Le outil pour soigner votre lore, ça c'est important. C'est pas la peine de trop avancer. Je vais ici, je risque de souffrir. Ce que je vais faire, je prends contact, je me décale. Il est en haut là. C'est plus simple. Qu'est-ce que vous... De toute façon, tu ne peux pas l'amener au déséquilibre. Allez. Doucement, hein, mais vous jouez bien votre rôle de hockey, okay. À partir de maintenant, tout ce qui se prépare pour les examens, c'est important. Hein. C'est les tori et hockey qui doivent travailler correctement. Okay. Tout juste Shomanushi. On continue. Donc là, ma ressource est
Du mouvement,
Donc elle va m'attaquer, je vais prendre là, première fois. Là, je vais me décaler. Hein, une fois que je suis passé devant, je vais me décaler et me retrouver dans la même situation que sur Shomen Uchi. D'accord? Ça, c'est la première entrée en passant par deux mains. Là, je me décale. Quand je me décale, en même temps, je contrôle ici. Elle me tient une direction. Hein? Là. Je contrôle et en même temps, il y a possibilité de frapper. Deuxième entrée, sur le côté. Là, je me décale. Je monte tout doucement. Je refais la deuxième entrée. Je peux, en fait, pour la deuxième entrée, porter de manière plus profonde avant de me décaler et me frayer un passage. Après, je me fais un passage. Vous me retrouvez face à son son. Ok? Vous essayez les demi-tapes, en passant par devant, en décalant sur le côté. Travaillez tout doucement, mais prenez conscience de l'attitude. Et si jamais vous avez mal au genou, travaillez debout. Ok? Au moment où tu te décales, tu n'as pas besoin de bouger. Hein? Voilà. Tenez plus proche au côté du visage. Voilà. Sans sorte de pencher. Voilà, c'est ça. Voilà. Thank you.
te diriger vers son fond. C'est comme si tu remontes le pif pour revenir en... Et celui qui a pas, il continue à mettre la pression. Il ne faut pas se relâcher. Car il y a une pression. S'il se relâche, il le sauve. Hein, maintenir la pression, mais elle sort trop proche. Et maintenir une légère pression. Ok, allez-y. Si vous avez mal au genou, travaillez avec vous. J'absorbe un peu. Parce que si jamais je suis là, tu peux. Voilà. On revient sur le chemin aussi en Tachibosa. Ça c'est une manière de faire. Attention, on va passer devant. Regarde. C'est doucement. Travail souple, hein. Et le partenaire, surtout ne plantez pas le partenaire, laissez vous mettre s'il le faut. En attachant, vous soulagez vos...